Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des numériques pour parler du Galaxy A10 de Samsung. Alors, si vous avez suivi depuis longtemps les smartphones Samsung, vous n'y comprenez peut-être plus rien à ce que fait le fabricant coréen avec ses smartphones, avec des Galaxy A10, A20, A50, A80, alors qu'on avait aussi des Galaxy J, des Galaxy S, des Galaxy Note. On va faire le point. En gros, ce Galaxy A10, c'est l'entrée de gamme de la série Galaxy A. Cette gamme Galaxy A qui a été repositionnée par Samsung pour être un peu plus agressive en termes de rapport qualité-prix face à une concurrence chinoise sérieuse, des Xiaomi, des Oppo et même des Honor, Huawei. Donc pour contrer ces marques-là, Samsung a décidé de repositionner un petit peu sa gamme A. Mais ça vient aussi un petit peu cannibaliser la gamme J, qui était historiquement l'entrée de gamme chez Samsung, qui a un petit peu disparu là en 2019, au profit justement de smartphones comme ce Galaxy A10. On a déjà testé l'A20e, et E c'est pour essentiel, donc c'est pas l'A20 classique, c'est une espèce d'A20 light. Et ici on a un A10 tout court. Donc un smartphone qui est avant tout axé sur l'entrée de gamme avec une fiche technique relativement basique. Dans l'ensemble, c'est un petit peu ce qui ressort de ce téléphone, c'est que c'est très basique. Donc faisons un peu le tour du propriétaire. On a un grand écran qui fait ici 6,2 pouces. On n'est pas sur une dalle AMOLED, c'est un petit peu dommage parce que quand on est chez Samsung, on s'attend un petit peu quand même à ce qu'ils fournissent leur dalle AMOLED, c'est quand même les champions dans le domaine. C'est dommage de ne pas en profiter sur des smartphones comme celui-ci. Bon, après, il faut avouer que pour tirer les coups vers le bas, c'est assez logique qu'ils sortent vers du LCD, mais ça pourrait être aussi ce petit effort que fait Samsung pour prendre le pas sur la concurrence, mais malheureusement, c'est pas le cas. En plus d'être uniquement une dalle LCD, c'est un écran qui est uniquement en HD. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur du Full HD, aujourd'hui qui est quasiment devenu la norme hein, chez tout le monde, même à moins de 200€, tout le monde est sur du Full HD. Ici, on est sur une dalle HD, on a une résolution qui est finalement pas très élevée, aux alentours de 270 pixels par pouce. Dans l'ensemble, ça suffit hein, pour les usages classiques. Mais c'est vrai que ça va manquer un petit peu de finesse d'affichage, surtout quand on lit du texte par exemple, je sais pas, vous êtes sur une application d'actualité, vous lisez beaucoup d'articles, ça manque un peu de finesse. Dans l'ensemble, pour des usages assez basiques, ça va le faire. Autre déception avec cet écran, c'est qu'il n'est pas aussi bien calibré que ce que sait faire Samsung habituellement. Ici, on a très peu de réglages qui sont offerts. On a un seul profil qui est par défaut. D'habitude, Samsung offre tout un tas de profils qui permettent de régler la température, les couleurs, tout ça. Mais là, sur ce Galaxy A10, on n'a aucun moyen de régler quoi que ce soit au niveau de l'affichage. Et c'est bien dommage parce qu'on a un écran assez froid. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les yeux. Pour le reste, c'est quand même un smartphone qui physiquement est dans l'air du temps, au moins à l'avant, avec ce grand écran, cette petite encoche. Mais au dos, on va être un petit peu plus déçu puisqu'on est sur un plastique qui est finalement très très classique, voire même un peu décevant pour du Samsung. On a l'impression de revenir 4 ou 5 ans en arrière avec ce design très très sobre, on va dire. Et qui fait même un peu cheap, d'autant que c'est un plastique brillant qui prend pas mal les traces de doigts. Donc au final, on se retrouve avec un smartphone qui est pas hyper élégant. Autre point sur lequel on attendait un peu Samsung, et sur lequel on attend généralement les smartphones de toute façon, c'est la photo. Dans un monde du smartphone où on a aujourd'hui 2, 3, 4, 5 modules photo à l'arrière, ici nous n'en avons qu'un seul, capteur 13 mégapixels, optique ouvrant à f1.9, quelque chose de très classique, qui est assez peu efficace finalement, ça tient à peu près la route en plein jour, mais c'est pas folichon. Et de nuit, c'est la cata, comme souvent sur les smartphones d'entrée de gamme. Donc ça, c'est un petit peu décevant aussi. Samsung a de grosses qualités sur ses séries un peu plus haut de gamme, et même sur des Galaxy A un peu plus haut de gamme. Finalement, ce smartphone aurait pu sortir il y a 4 ans, on n'aurait pas vu de grandes différences. Autre point, et qui pour une fois est à l'avantage de ce Galaxy A10, c'est l'autonomie. C'est ça qui le sauve complètement dans son test, c'est qu'il a une excellente autonomie. Forcément, me direz-vous, vu la configuration qu'il a, parce que bah, quand on a un écran HD, une puce qui n'est pas forcément ultra puissante et que de toute façon on n'a pas envie de faire non plus des folies avec ce smartphone, et ben il tient assez longtemps. On va tenir sans problème 2 jours si on a un usage standard, et si on est un peu plus acharné sur son smartphone, globalement on va tenir la journée sans problème. Donc là sur ce point c'est quand même plutôt bien. Mais bon, finalement, est-ce que ça permet de sauver complètement un smartphone qui se rate sur des points importants comme la photo ou même sur le design en fait, qui n'est pas si sexy que ça. On a des trucs beaucoup plus sexy chez Xiaomi ou chez Honor. Donc pour le coup,
Mettre 160 euros dans ce téléphone, on peut se poser la question, est-ce que c'est réellement un bon investissement? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre 20 euros ou voire 30 euros de plus, si on peut se le permettre bien évidemment, pour aller taper sur justement un Redmi Note 7 chez Xiaomi ou un Realme 3 Pro aussi qu'on a testé récemment, qui sont des smartphones qui sont globalement dans le même ordre d'idées, mais qui offrent beaucoup plus que ce Galaxy A10 qui oublie même d'avoir un lecteur d'empreintes. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même un peu dommage parce que tout le monde en a. Du coup, ce Galaxy A10 s'en sort avec la note de 3 étoiles, mais finalement, c'est un peu trompeur parce qu'il est sauvé uniquement par son autonomie. Sans une autonomie aussi solide, il serait tombé à 2 étoiles et c'est probablement plus autour de cette note-là qu'il devrait tourner logiquement.